Eh bien salut à tous amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo compte rendu vide-grenier et achat en magasin également. Donc parce que les vide-greniers c'était aujourd'hui, mais il n'y avait pas grand monde, j'ai pas trouvé grand chose, du coup c'est pour ça que je combine les deux vidéos en même temps. Donc j'avais fait une autre vidéo tout à l'heure, mais il y avait quelques soucis, du coup je la refais. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on aura? On aura un peu de jeux vidéo, mais pas beaucoup. On aura beaucoup de DVD, de Blu-ray et de CD avec des petites choses qui m'ont fait vraiment plaisir d'avoir trouvé aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui sans perdre de temps. Donc on aura du vide-grenier et donc que du jeu vidéo. Je vais commencer par les jeux vidéo. Parce qu'en jeu vidéo, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je vais commencer par ça. Je ne sais pas où j'ai mis mes affaires, que je vous les montre. Bah ils sont ici. Voilà. Donc on va commencer par une première chose que j'ai acheté à Maxitoy pour la somme de 23 euros. Ce qui peut faire un peu cher pour ce genre de pack, tout simplement, parce que c'est un pack qui est assez. Il est assez vieux quand même, il y a déjà quand même quelques années devant lui. Mais c'est un pack que je ne trouvais plus du tout en solde en magasin. Donc c'est un pack Skylander que je ne voyais plus du tout en magasin. Du coup, j'ai pris le dernier qui restait dans le magasin parce que je me suis dit, je vais le prendre au cas où si un jour je ne l'en trouve plus. Donc j'ai pris le pack Skylander Trap Team, voilà, que j'étais plutôt content d'avoir trouvé pour la somme de 23 euros. Donc bien sûr, à l'intérieur, c'était bien sûr complet avec le jeu, évidemment, hein, parce que c'est du neuf. Il y avait également le Skylander Trap Team à l'intérieur, donc ça c'est cool. Enfin, c'est évidemment qu'il y a le jeu dedans. On avait également deux figurines, donc une figurine ici que j'ai failli acheter à la Bourse Livre pour 10 euros, ben j'ai bien fait de pas la prendre parce que je savais pas que c'était dans un pack. Voilà pour celui-ci. Il y avait également bien sûr une figurine, un petit légume, je sais pas trop ce que c'est comme légume, mais bon, je sais pas trop ce que c'est un légume, on dirait un saïen d'ailleurs. J'ai également deux, à l'intérieur il y avait également les petits pièges, enfin je pense que ça sert à ça, les pièges. Un de mes amis m'a expliqué qu'apparemment quand on mettait un truc dans le socle, le personnage hurlait ou je ne sais plus trop quoi. Voilà ce que j'ai trouvé au Maxitoy, donc voilà. J'ai également acheté à Cash Converter, donc un jeu pour vous faire des lives dessus parce que je ne l'avais pas et je voulais vous faire des lives dessus. Il s'agit du Lego Marvel Super Hero, donc voilà, je vous ferai des lives dessus. D'ailleurs, j'ai prévu aussi de vous acheter Lego Le Hobbit quand je trouve pas cher Lego de la Grande Aventure et également le Starter Pack de Lego Dimensions. Parce que je vais vous faire des lives dessus. Alors, les Lego Marvel Super Hero pour 10 balles, donc ça fait plutôt plaisir. Donc pour revenir à. Au truc que j'ai sur les lives, quand je fais des lives, simplement vous entendez un bruit de ventilateur derrière, c'est normal, c'est mon ordinateur qui tourne. Et également, donc, pourquoi il y a des pixels sur mes vidéos, c'est tout simplement que bah, c'est à cause de la connexion, tout simplement. C'est pour ça que des fois il y a des pixels sur la vidéo, ça je n'en peux rien malheureusement, c'est à cause de la connexion. Du coup, voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer au vide-grenier. Donc, au vide-grenier, pas grand-chose, franchement, pas grand-chose, ça m'énerve, j'ai une petite biquette dans les cheveux, ça m'énerve, j'ai beau mettre du gel, ça change rien. Donc, au vide-grenier, vraiment pas grand-chose, j'ai trouvé du DVD uniquement, donc que du DVD. Donc ici, en jeu vidéo, il n'y a plus rien pour le moment, ce sera que du DVD. Donc, en DVD, j'ai trouvé un film que j'étais super content d'avoir trouvé, je le montrerai vers la fin. Donc, les DVD que j'ai achetés, je les ai payés 50 centimes pièce, donc à ce prix-là, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris, bien sûr, des films qui m'intéressaient, évidemment. Donc le premier film que j'ai pris, il s'agit du Secret de Terabithia, voilà, pour la somme de 50 centimes, ça fait plutôt plaisir. Un petit film vraiment sympathique. On avait également Le Jour de Noël 3, voilà, pour la somme de 50 centimes également, que je n'avais pas, du coup ça fait plaisir aussi. Le Monsieur Popper et ses pingouins, voilà, un film avec Jim Carrey que je n'ai pas encore vu, qu'il faudra aussi que je me mate. J'ai beaucoup de films de Jim Carrey à regarder. J'ai également pris le Apparition, d'ailleurs celui-ci, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas, parce que je ne sais plus. Voilà, pour 50 centimes également. J'ai également pris le Percy Jackson et le Voleur de Foudre, voilà, pour 50 centimes, un excellent film que je recommande si vous n'avez jamais vu. Pour 50 centimes, j'ai également pris Les Bronzés font du ski, voilà, un excellent film assez culte de français, donc ça fait plutôt plaisir de l'avoir rentré également celui-ci. Et le dernier film, voilà, qui m'a fait, on va dire, pas gagner ma journée, mais qui m'a fait être satisfait de ma journée, tout simplement parce que ça, j'avais rien trouvé sur la journée, hein, faut pas se le cacher. Mais ça m'a vraiment, ça m'a vraiment embelli le cœur. J'étais vraiment super heureux de l'avoir trouvé. Donc c'est un film de comédie que j'avais déjà acheté durant les soldes pendant l'année dernière. Malheureusement, le CD était rayé, enfin pendant les soldes, il était défectueux. Et là, je me le suis retrouvé pour 50 centimes, vraiment super content. Il s'agit du Raras. Un excellent film que je recommande si vous n'avez jamais vu un film de comédie vraiment, vraiment génial, avec des acteurs assez connus comme vous le voyez. On a par exemple
On a Rohan Harkinson, on a Cuba Gooding Jr., on a Seth Green qui joue également dans Austin Powers. On a l'acteur, bon, je ne sais plus comment c'est acteur, cet acteur, mais on a vraiment pas mal d'acteurs super connus. Donc voilà, c'est un excellent film que je recommande. Si vous n'avez jamais vu, moi j'ai vraiment passé un excellent moment quand je l'ai regardé. D'ailleurs, je pense que je vais même le regarder tout à l'heure, pourquoi pas. Voilà, le Rara, ce qui fait vraiment plaisir de trouver, pour 50 centimes en plus. J'étais vraiment content, il était en super état, donc ça fait plaisir. Donc maintenant, on va passer aux achats Bourse Olive, donc avec quelques petites choses assez sympathiques que j'ai trouvées. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Donc, j'ai acheté pour commencer. Alors, donc il y avait une histoire. En fait, j'avais acheté deux Blu-ray. Malheureusement, trois Blu-ray. Malheureusement, il y avait un Blu-ray où c'était pas le bon dedans et je suis reparti le prendre, le reporter. J'en ai pris un autre. Donc, les deux Blu-ray que j'avais pris. Donc, j'avais pris le Poséidon, voilà, qui sont venus à 4 euros à peu près. Poséidon, voilà. Qui est un excellent film aussi que je recommande, similaire au Titanic, mais un peu moins bien que le Titanic quand même, mais aussi, il était quand même pas mal du tout. Franchement, j'avais beaucoup aimé ce film quand même, vraiment un super film. J'ai également pris le Batman The Dark Knight Rise, voilà, pour 4 euros également. C'est cool de le rentrer aussi celui-ci. J'ai rentré également, donc alors, le 3 films pour 7 euros, donc un film, je suis vraiment content d'avoir retrouvé aussi. Donc j'ai pris le Dwayne Johnson San Andreas, voilà un film de catastrophe qu'il faudra que je me mette pour voir ce que ça donne. On verra bien. Pour la somme de 2 euros et une poussière, le Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc un film que j'avais beaucoup aimé, c'est vrai, c'est un Astérix que j'ai encore bien aimé. C'est vrai que le meilleur, ça reste le Astérix et Obélix contre César, mais celui-ci m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque quand j'étais devant au cinéma. Du coup, voilà, celui-ci vraiment sympa. Et un autre film que j'avais avant, que j'avais regardé en cassette vidéo à l'époque, il s'agit du Club Dread, voilà un film en comédie, horreur, donc plutôt sympathique, que je recommence si vous n'avez jamais vu. Moi, j'avais beaucoup aimé ce genre de film. Du coup, voilà, pour 2 euros et une poussière, j'étais assez content. Enfin, c'est cool, la vidéo va un petit peu plus vite parce que l'autre vidéo que j'avais faite durait 14 minutes à peu près. J'ai également acheté pour la somme de 2,95 € le Aerosmith classique. Donc un CD de musique de rock qu'il faudra bien que je vois ce que ça donne. Enfin, j'espère que c'est du rock, je sais pas trop. Faudrait que j'écoute pour voir ce que ça donne. Donc je l'avais pris en fait pour essayer de finir ma carte, pour avoir mon signé pour l'année. Donc c'est-à-dire avoir des points en plus sur ma carte. Et j'ai également reçu 10 euros de bon d'achat. Et ensuite, les deux derniers films que j'étais assez content d'avoir trouvé. Pour commencer par le film en fait que j'ai eu grâce. Enfin, quand j'étais porté en fait mon Blu-ray que j'avais acheté, que c'était pas le bon Blu-ray dedans. Je l'ai pris, je l'ai payé 3 euros en bon d'achat au lieu du prix normal quoi. Donc j'ai pris Les Petits Champions 2, voilà, qui était à la base à 7,95 €. Mais il est revenu à 3 euros en bon d'achat parce que bon, j'ai échangé avec l'autre DV, l'autre Blu-ray qui n'était pas le bon dedans, voilà. Avec Les Petits Champions 2, voilà, qui est en super état quand même, regardez. Mais je pense qu'il est en bon état, ouais, c'est vrai, il est nickel. Les Petits Champions 2, voilà, qui est plutôt sympa. Et également le dernier film que j'ai trouvé pour la somme de 7,95 €. Ça fait un petit peu cher, mais c'est un film que je voulais et que je ne vois jamais. J'étais vraiment heureux de l'avoir trouvé quand je l'ai vu dans le rayon. Il s'agit de La Famille Pire à Feu, voilà, avec Rick Moranis, un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Et voilà, donc un super film. Voilà, je suis vraiment content d'avoir trouvé ce film parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu. Et voilà, ça fait vraiment plaisir, franchement, parce que c'est un film que je cherchais. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà pour les achats, vous voyez pas grand chose acheté cette semaine. Donc j'ai vraiment pas acheté grand chose. Enfin si j'ai acheté quelques petites choses, mais j'ai pas non plus trouvé beaucoup de jeux vidéo, on va dire, parce que je suis un petit peu plus réticent dans tout ce qui est jeux vidéo. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.